Et ensuite, je vais te poser les questions. Tu dis Bismillah d'abord.
Allez, bismillah. Avec à ma droite, sinon... Tu as. Voilà. Allez, tu enlèves la petite feuille dans l'enveloppe. Alors, c'est bien, merci. Bon, première question. Quel prophète a construit la Kaaba? Ibrahim alayhi salam. Masha'Allah, takbir. Première question bien répondue, mais c'est pas encore fini. Hein. Alors, deuxième question. C'est bon, tu es prêt? Allez. Combien de sujoud y a-t-il dans le Coran? 4, 14 ou 24? 14. C'est quoi? Je suis en dessous, j'ai pas entendu. 4. 4? Peut-être pas 4. 24. 24? Tu veux pas répondre à la question quand même? Passe. Tu passes, c'est bien. Masha'Allah, il passe. Alors, troisième question. Ne stresse pas, ne stresse pas. Regarde. Ton papa, il est là? Ton papa, il est là? Oui ou non? Ah si, regarde. Voilà, allez, appelle-le. Tu vois là-bas? Il te sourit là. Avec un grand sourire, ça veut dire qu'il est content de toi, même si tu as répondu à une question, c'est pas grave. Allez, question 3. En quelle année est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Masha'Allah, tu peux répéter la question? C'est après le Christ. Ouais. D'accord. Takbir! Takbir! Suleiman, tu peux aller t'asseoir. C'est très bien. Masha'Allah, donne-moi le micro. C'est bien. Ok. J'appelle le deuxième élève, le deuxième candidat du concours. Et c'est une fille, elle s'appelle Ishma. Ishma est appelé à l'atelier, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Bon, je prends le micro. Voilà. Je vais mettre le micro. Voilà. Alors, tu vas choisir une enveloppe là-dedans. Allez, bismillah. On regarde. Excusez-moi, c'est un peu difficile à ouvrir. On te frappe, hein. Merci. Ok. Première question, tu es prêt? Non, on va pas attaquer la première question tout de suite. D'abord, le public il veut savoir comment tu t'appelles. Ishma. Ishma comment? Amata. Alors, Amata, Masha'Allah. Alors, tu vas dans quelle école en ce moment? Yawa Djoro Goshengazidja. Ah, Yawa Djoro Bendri Shingazidja. Bonjour, banane Shingazidja. Ah. Emro Badje. Et banane coco, comment ici? Laissez la répondre. Elle sait parler comment ici? Elle parle mieux que vous. Allez, on répond. Ndrovia. Masha'Allah, takbir. Masha'Allah. Alors, comment elle s'appelle ta madrasa? Ta madrasa? Shafi'i Dupont, c'est bien. Alors. On va pas te stresser la petite. C'est bon, tu n'es pas trop stressé? Ça va? C'est bien. Tu te sens d'attaque? C'est bon, allez. Donc, première question. Comment s'appelle l'arbre qui se trouve au plus haut degré du paradis? Masha'Allah! Ils sont forts, ces élèves. Hein? C'est bien. Alors, deuxième question. Attention, c'est pas trop facile. Hein? Alors, comment dit-on? Déjà, il faut même vérifier. Ah! Comment dit-on patate en comorien? Allez, un effort. Ça commence par C'est bon, on passe.
C'est pas grave. Prochaine question, tu vas bien répondre. Allez, comment dit-on pêche cavale en comorien? Sim, sim. Masha Allah, la la la. Masha Allah, takbir. Allahu Akbar. Alors, question suivante. Troisième question. Sur quoi les gens vont-ils passer pour arriver au paradis le jour du jugement? Masha Allah, takbir. Takbir. Allez, petite question, petite dernière question pour la route. Est-ce que tu connais un kasuda? Que tu as appris à la madrasa? Un kasuda en comorien. Tu connais pas un kasuda en arabe alors? Non. Est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire en comorien? Allez, Nabim Nahadis. Hala Hadis. Tu connais pas? Bon, c'est pas grave. On l'encourage quand même. Takbir! Allez, c'est bien. Tu peux aller t'asseoir. Dans le micro. Allez, bismillah. Je vais appeler le troisième candidat de notre quiz. C'est un grand élève de la madrasa. Il est très connu pour ses... Allez, debout, on va pas dire devant tout le monde. Zainuddin. Takbir. On encourage notre héros. Allez, bismillah. Alors, comment tu t'appelles déjà toi? Zainuddin. Comment? Youssoufa, tu habites dans quel quartier? La Zup, c'est dans quelle ville ça? Au port. Au port. Est-ce que tu connais un mot comorien? Non. Si, tu connais. Alors, vas-y, dis-moi, comment on dit, je vais chercher quelque chose de facile. Comment on dit bouche en comorien? Bon, d'accord, c'est pas grave. Alors, tu vas dans quelle école? Francis Rivière, c'est à côté d'où ça? Alors, juste tout à l'heure, après quand on aura fini de faire passer le groupe, il y aura un kasuda. Tu veux le dédicacer à qui? Maman, papa ou? Maman. Ah, maman, masha Allah. D'accord, on va chanter un petit kasuda tout à l'heure pour maman. Bon, première question. Soyons un peu sérieux. Alors, donnez le nom des filles du prophète, selon la salle. Fatima, Rukaya, Zainab. Masha'Allah, takbir. Sont trop fort. Y'a Djibril qui t'a parlé hier soir ou quoi? Alors, question suivante. Combien de prières doit-on accomplir quotidiennement? 5. Est-ce que tu les fais? Des fois. C'est pas grave. C'est bien, c'est déjà ça. Alors, comment dit-on tu étais où en comorien? Un canard. D'accord, c'est bien. C'est bien, masha'Allah. Tu n'avais pas dit que tu savais pas parler comorien, toi? Allez. D'accord. Donc, tu dédicaces à ta mère le casse-toi qu'on va chanter? Oui. D'accord. Personne d'autre? Oui. D'accord. Allez, c'est bon, tu peux aller te transporter, machin. Takbir! Takbir! Allez. On va appeler maintenant la quatrième candidate de la madrasa du premier groupe.
On est bien d'accord? Et elle s'appelle Naïda. Masha'Allah. Takbir! Takbir! Ok. Allez, tiens-moi ce micro. C'est bon. Alors Naïda, tu as quel âge? 8 ans. Et tu t'appelles Naïda comment? Alima. Alima. Tu vas dans quelle école? C'est Et tu es dans quelle classe? CE2. CE2. Comment elle s'appelle ta maîtresse? Mémé. Regarde, regarde la caméra là. Peut-être qu'elle te voit là à la télé. Comment elle s'appelle déjà? Justiebo. Justiebo, non, elle est là, ta maîtresse. Piené. Piené, masha'Allah, piené. Ok. Alors, tu sais parler comment rien? Juste un petit mot, vas-y. Nabiem la hadith. Bon, d'accord. C'est pas grave. On dirait que. Bon, alors dis-moi une phrase en comment rien. Pas un mot, hein, une phrase. Par exemple, tu as faim. Tu veux dire que j'ai faim. Comment tu dis? Ah, d'accord. Tu as soif alors? Gamine a soif? Masha'Allah. D'accord. Alors, allez, une dernière chose. Après, je te laisse tranquille. Comment on dit je veux manger alors? Ben, je vais. Ben, tu sais pas parler. Comment rien, toi? Comment on dit je veux boire de l'eau? Ou bien je dis juste je veux de l'eau? D'accord. Donc, en fait, tu comprends le comment rien. Mais tu penses pas. C'est bien, c'est pas grave, c'est très bien, c'est déjà ça. Déjà qu'ils ne savent pas parler. Alors, tu vas regarder ici là, les jolies petites enveloppes. Et tu vas en choisir une. D'accord, merci. Donc, première question. Attention, tu es prêt? Ok. À qui a-t-on révélé le Coran? Au prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah, masha'Allah. Takbir! Ok. Deuxième question. Quelles sont les religions dites du livre? La religion de Daoud, les juifs, les chrétiens et les musulmans. D'accord. C'est qui le prophète des musulmans? Le prophète des musulmans. Le prophète de l'islam, c'est qui? Comment il s'appelle? D'accord. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu viens de dire. C'est bon, c'est pas grave. Takbir! Si, elle sait normalement, mais elle est un peu stressée, c'est tout. Allez, question suivante. De combien d'îles est composé l'archipel des Comores? 4. Tu peux me citer les 4? Masha'Allah! Takbir! Masha'Allah, c'est bien, Naïda. Bon, alors, tout à l'heure, on va chanter un petit kasouda. Tu dédicaces le kasouda qui? Qui? Tu sais pas? À maman, à papa, grand frère, Niad ou bien qui? Niad! D'accord, c'est bien, masha'Allah. Masha'Allah. Elle t'aime ta soeur. Allez! Alors, le candidat numéro 5. Attention, c'est un poids lourd. Hein. Alors, Idriss! Masha'Allah, takbir! Lui, c'est le passe-lui, allez, tiens. Donc, alors, tu t'appelles Idriss comment toi? Ali Darwishi. Ah ah, tu es comorien ou tu es de quelle origine? Comorien. Comorien, Masha'Allah. Et qu'est-ce que tu sais dire en comorien? Plein de choses. Dis-moi, je veux manger. Dis-moi, j'ai soif alors. D'accord, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, tu es dans quelle école? Raoul Fruto, c'est à côté de où ça? Azul. Ok. Et tu sais chanter un kasouda? Un petit kasouda, allez, vas-y, un petit kasouda, on l'encourage. Masi wa ya ha, chouru ya baraka, ya male zime, fana toa bien jema, ami ome mola, mime ya bia, ya lui vale. Toi, je vais te donner les réponses, t'inquiète pas. Attends. Désolé, désolé. Je suis passé que dans l'homme. Voilà, ok, tiens. Bismillah, première question. Première question. De donner le nom de la prière, de la première sourate qui fut révélée.
Ikra. Masha Allah. Est-ce que tu peux réciter un petit peu? Juste un petit peu. Un petit peu? Non? Pour un autre jour, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'es pas pris. C'est bon. Alors, question 2. Où est né le prophète? À la Mecque. À la Mecque. C'est où à la Mecque? Dans quel pays? En Arabie Saoudite. Question suivante. Comment s'appelle la nourrice du prophète? Halima. Halima, Masha Allah, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Bon, maintenant tu vas nous réciter quelques versets du Coran. Une sourate que tu as mémorisée. Voilà, madame. C'est bien. Tu peux aller le kasida. Tu dédicaces le kasida à qui? Qu'on va chanter. Qui? Maman. Maman, elle est là là. Allez, montre-moi où elle est. Masha'Allah. Fais-lui un gros sourire. D'accord, c'est bon. Allez, takbir. Masha'Allah. Zaloudine, tu veux bien t'asseoir ici, s'il te plaît? Merci. Il n'a pas peur, lui. Donc, c'est Idriss. Nous allons appeler le sixième candidat. Ou plutôt la sixième candidate de la madrasa Chafé du Bord. Elle s'appelle Nasma. Allez, takbir pour Nasma. J'ai bien entendu là. Hein. D'accord. Nasma, tu vas choisir une enveloppe. Voilà, c'est bien, c'est bien. D'accord. Oh, attends. Tiens. Alors, tu t'appelles Nasma comment? Nuzouwa. D'accord. Tu es dans quelle madrasa? La madrasa Jaffé du Port. Est-ce que tu connais un petit kasuda pour chanter? Un petit kasuda? Mais si, on a beaucoup de kasuda. Allez, chante juste un. Un seul. On va t'aider. C'est pas grave si tu oublies. Allez, choisis un kasuda. Allez, bismillah, on commence. Après on teste. Après ceux qui sont derrière, ils t'aident. C'est bon, tu as peur? C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu es dans quelle école? École Gervais-Paris. Est-ce que tu comprends le comorien? Non. Tu comprends pas le comorien? Non, bon, c'est pas grave. D'accord, tu es en quelle classe, tu as dit? CE2. CE2, c'est qui ton professeur? Comment il s'appelle? Madame Potalba. Madame comment? Potalba. Potalba, Masha'Allah. Takbir pour Potalba. Allahu Akbar. D'accord. On va procéder à la première question. Alors, la question. Première question. Quel prophète pouvait parler aux animaux? Le prophète Suleiman alayhi salam. Dis plus fort, le prophète. Suleiman alayhi salam. Le prophète. Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam. Masha'Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ok, question suivante. Comment appelle-t-on le grand mariage en Comorien? En Eden. Masha'Allah. Takbir. Est-ce que toi tu veux faire le grand mariage quand tu seras grand? Ah, Masha'Allah, Masha'Allah, takbir! Allahu Akbar! Troisième question. Alors, qui est le sacrifié d'Allah? Ismaïl. Ismaïl, Masha'Allah. Masha'Allah, takbir! Allahu Akbar! Donc, tout à l'heure, on va chanter un petit kasuda. Alors, tu dédies ce kasuda à qui? À maman. À maman, elle est là? Allez, montre-moi où elle est. Fais un petit coucou. Masha'Allah. Un petit sourire pour maman. Un petit bisou. Waouh, Masha'Allah. Takbir. Allez, vas-y, va t'asseoir. C'est bon. Alors, le candidat numéro 7. Le petit élève. Allez, Ibrahim, lève.
Vas-y, choisis une enveloppe. Vas-y, une enveloppe. On choisit une enveloppe. D'accord. Alors, comment tu t'appelles déjà, toi? Ibrahim. Tu te poses l'élevé. Ibrahim Ahamada. Alors, tu es comorien? Oui. Tu sais parler comorien? Un petit peu. Un petit peu, voilà. Dis-moi comment on dit bread manioc en comorien. Comment on dit? Ça commence par ma, ça finit par ba. C'est manioc. Non, c'est pas manioc, c'est madaba. Donc, comment on dit de l'eau? De l'eau en comorien. De l'eau. Je sais pas. D'accord. Alors, comment s'appelle ta madrasa? La madrasa vient du pont. Est-ce que tu peux chanter un petit kasuda? Allez, un petit kasuda. Alors, comment il s'appelle ton oustad à la madrasa? Faut dire comment? Mais comment il s'appelle? Son prénom c'est quoi? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'appelle un truc de mémoire. C'est pas grave, il sait comment son foudi s'appelle. Alors, d'accord. Alors, tu nous chantes un petit kasuda? Un petit kasuda. Là, il est là-bas, tu connais pas? Cool. Donc, on va procéder à la première question. Première question. Alors. Qui est l'homme qui a parcouru la terre? Dhulqarnayn. Dhulqarnayn, Masha Allah. Takbir. Allah. D'accord. Alors, combien de juz est composé le Coran? De combien de juz? 30. 30, Masha Allah. Tu as mémorisé combien? Tu as mémorisé combien de juz dans le Coran? Tu as mémorisé 30? Masha Allah. Takbir. On est à Hafid avec nous. Masha'Allah, Masha'Allah. Ok. Deuxième question. C'est bon, on est un rapide, Masha'Allah. Allez, deuxième question. Citez les îles de l'archipel. Dernière question plutôt. Citez les îles de l'archipel de comment? Khadija, Mouli, Zouani, Mayotte. Masha'Allah, Takbir. Allah, Akbar. Allez, c'est bon. Donc, attends. Donc, c'est toi qu'on va chanter, tu dédicaces à qui? Maman, papa, grand-mère, tonton. Ramata. Ramata, Masha'Allah, ma soeur. Masha'Allah, allez, c'est bon. Takbir. Ok. On va appeler maintenant. On va appeler maintenant le huitième, la huitième candidate de notre concours. Elle s'appelle Hanifa. Takbir. Allez, ah, Hanifa, Masha'Allah. Pourquoi il s'appelle la bonne Hanifa? Non. Donc, alors, est-ce que tu sais parler comment il y a Hanifa? Non. Oh. D'abord, comment tu t'appelles comment? Hanifa comment? Hanifa Emwali. Tu habites dans quel quartier? À côté de la piscine. À côté de la piscine, c'est le meilleur des quartiers, ça, non? Vu ou non? Ah, Masha'Allah, c'est le meilleur des quartiers. Takbir! Allez, dis-moi un mot pour moi. Un mot. Juste un mot pour moi. Maj, Masha'Allah, c'est bon. Elle a soif. Hein? Alors, on va procéder à la première question. Est-ce que tu connais un kasuda? D'abord, pour commencer la question. Un kasuda. Un petit kasuda. Allez, bismillah, on chante. On va t'aider, t'inquiète pas, pas besoin, c'est pas la peine d'avoir peur. D'accord, c'est pas le temps. C'est un trou de mémoire, elle stresse. D'habitude, elle est moins calme que ça. Alors, c'est moi qui choisis. On choisit une enveloppe. Allez, choisis une enveloppe.
D'accord. C'est bon. On va procéder à la première question. Question. En combien de jours Allah a créé la terre? 6 jours. 6 jours. Masha Allah. Takbir. Allah. Comment dit-on école coranique en comorien? Masha Allah. Takbir. Allah. Ok. Deuxième question. Quel prophète est le plus cité dans le Coran? Quel prophète est le plus cité? C'est-à-dire, on mentionne plus son prénom dans le Coran. Moussa alayhi salam. Masha Allah. Takbir. D'accord. Alors, on va chanter un petit kassouda tout à l'heure et tu dédicaces le kassouda à qui? Est-ce que ta maman est là? Regarde. Elle te regarde là-bas. Tu dédicaces à qui? À Ismaël, Mohamed, Aliswa, maman. Ne bouge pas, Ismaël. Ah, Aliswa, mashallah. C'est elle qui l'emmène à la madrasa, c'est normal. Donc, c'est. D'accord, Aliswa, mashallah. D'accord. Je vais appeler le 9e, de la 9e candidate. Elle s'appelle Isma. Ah, elle n'est pas là? C'est pas grave. C'est pas grave. Donc on va passer au 10e. Laïka. Où est Laïka? Masha Allah. Takbir. Takbir. Ok. Salam alaikum Laïka. Alaikum salam. Alaikum salam. Bon. Alaikum salam. Tu t'appelles Laïka comment? Gamboua. Comment? Gamboua. D'accord. Dis-moi un mot en comorien. Comment on dit manger en comorien? La. La. C'est bien. Mashallah, takbir. D'accord. Ça, tu connais bien, ça, c'est bien. D'accord. Alors, est-ce que tu connais un verset que tu pourrais chanter? Un verset. Un petit verset, juste un petit. Tu connais pas? La ilaha illallah. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle a oublié, c'est tout. Donc, on va procéder à la première question pour Laïka. Tu choisis ton enveloppe. D'accord. On construit le drive, on va arrêter sa lumière, on va arrêter. Alors, vous allez procéder à la première question. Qui est la femme du prophète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus? Comment? Alima. Non, c'est... Alima, peut-être pas. On ne cite pas les réponses, s'il vous plaît, merci. Allez, ça commence par A, mais ça finit pas par Alima. Je t'ai aidé là. Bon, d'accord, on passe. C'est Aïcha. Donc, question suivante. Quel homme ne sera pas jugé le jour du jugement? Abu Bakr Siddiq. Masha Allah, takbir. Question suivante, dernière question. De quel côté se lèvera le soleil à la fin du monde? À l'Orient. À l'Orient, masha'Allah. L'Orient, c'est à gauche ou c'est à droite? À gauche. C'est bien. Masha'Allah, takbir. Allah. Ok, alors tout à l'heure, on va chanter la kassida. Bon, là, il y a un problème parce que là, il y a papa qui est là-bas et il y a maman qui est juste là. Donc, tu dédicaces la kassida à qui? Papa. Ah, papa, masha'Allah. Masha Allah, tu peux aller t'asseoir.